mais des matériels que nous avons vus, on a estimé que ce n'était pas correct. Et c'est de manière libre, lorsqu'ils ont vu et nous avons découvert cette situation, ils ont décidé de changer le format de leur mission pour nous dire qu'ils ne devraient plus se déployer à travers les pays, mais qu'ils pouvaient faire des observations à partir de Kinshasa. Hier, j'ai tenu une très longue réunion avec tous les responsables de la sécurité de notre pays. Ils ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère. Sur ces hommes, on a trouvé des indications qui corroborent ce que je viens de vous dire. Et ces personnes ont avoué sur procès verbal qu'il y avait 50 observateurs, ça a été même constaté dans leurs documents, qu'il y avait 50 observateurs qui détiennent les mêmes types de machines que nous avons refusé à l'Union européenne. Et ces gens travaillent avec une structure qui fait trop de bruit. Cette structure est financée en termes de millions, plusieurs millions, juste pour faire cette besoin. Cette structure qui fait se transformer en signe en violation des règlements et des lois de la République. Je dis ces choses à l'opinion pour que vous sachiez les enjeux et les menaces pesé sur ce processus et qui continue à peser. L'objectif, c'est quoi? C'est une préparation des contestations des résultats que la CENI, qui est le seul programme habilité à publier les résultats des élections. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent leur centre de compilation. Ils ont engagé un grand nombre de personnels. Ils ont une technologie connectée sur satellite. Et je vais vous informer que ce n'est pas du nouveau parce que ça s'est passé dans un pays, en Afrique, manipuler les résultats des élections et donner victoire à un candidat d'élection. Face donc à ces diverses menaces, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions nécessaires pour y faire face et mettre en déroute tous les aventuriers qui vont tenter de perturber ce processus que nous avons mené avec les fonds propres. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des gens venus d'ailleurs pour influencer les choix du peuple congolais. Vous l'aurez remarqué, nous avons voulu que ce processus électoral soit le plus inclusif possible. Nous avons voulu
que ce processus soit le plus transparent possible. Raison pour laquelle, de manière souveraine, nous avons invité ces organisations internationales. Mais nous n'avons pas accepté que quelqu'un vienne manipuler les élections pour changer la volonté du peuple congolais qui va exprimer demain dans les jeux. Je voudrais donc rassurer à l'ensemble de nos compatriotes que nos forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour faire face à ces défis sécuritaires que nous imposent les ennemis de la démocratie et de notre peuple. Je vais donc, à cette occasion, confirmer à l'ensemble de notre peuple et de l'opinion internationale que demain, le 20 décembre, il y aura bel et bien des élections sur l'ensemble de la République. C'est ainsi que j'invite le peuple congolais à se mobiliser pour aller s'acquitter de son devoir civique, pour choisir les candidats de son choix. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser nos compatriotes qui vont voter. Je dis bien, toutes les dispositions visibles et invisibles sont prises pour assurer la sécurité de tous les Congolais demain. N'ayez pas peur, ne cédez pas à la panique, soyez vigilants, soyez vous-même les premiers agents de sécurité pour mettre hors l'état des murs quiconque viendra dans un esprit de semer des troubles. Maîtrisez-les. Amenez-les à la police la plus proche. Mais la police elle-même sera sur terrain. Je vous ai dit qu'il y a des dispositions visibles et invisibles. Le semeur des troubles sera appréhendé soit par ceux qui sont visibles ou par ceux qui ne sont pas visibles. Et je vais donc finir mon message par un appel à l'apaisement. À mes sœurs et frères compatriotes congolais, demain, vous allez exercer votre droit constitutionnel, qui est un devoir civique. Vous devez l'exercer dans la dignité. La violence détruit l'homme de sa dignité. La violence détruit l'homme ou la femme de son humanisme. Allez exercer votre droit sans perturber la liberté des autres.
N'usez pas de la violence. Parce que la violence appelle la violence. Choisissez vos dirigeants pour les 5 ans qui viennent. Ne détruisez pas ce que nous avons acquis chèrement. Parce que les élections, c'est un seul jour. Après ces jours, la vie doit continuer. Voilà pourquoi je souhaite que vous puissiez exercer ce droit dans la tête. Le vote est un droit fondamental, comme je n'ai cessé de le dire, inscrit dans notre Constitution. Et nulle personne, je dis bien nulle, n'a les pouvoirs de priver quiconque d'exercer librement son choix à travers les yeux. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication que j'avais à passer à travers vous, à notre peuple et à l'intention de tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui accompagnent le Congo, et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Si vous l'aurez bien.